Le roi David est un guerrier de premier ordre et aussi un orateur de premier ordre, deux extrêmes. Il défendait son pays et il le fallait, sinon tout le monde serait détruit. Et en même temps, il louait Dieu. Il disait que quand il partait pour la bataille, le Seigneur Dieu partait avec eux. Et qu'est-ce qui se passait? Voyez bien, la terre trembla, le ciel ruissela devant Dieu, c'est le Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Et votre Dieu, celui qui est le Seigneur Jésus, le Père bien sûr, oui, mais vous parlez avec lui à travers Jésus. Il ne va pas faire la même chose, il va maintenant voir une personne qui a été bénie et je reviens ensuite. J'ai aussi un problème dans le dos depuis plus de 10 ans et maintenant, durant cette prière, j'ai senti une douleur ici. À présent, ça a disparu. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Je n'ai plus rien. Alors que pour me lever le matin, c'était plutôt compliqué car j'ai très mal. J'avais très mal. Et pour vous abaisser? Pour me baisser surtout. Et maintenant, vous vous baissez? Très bien. Eh bien, laissez-moi voir. Laissez-moi voir comment vous vous abaissez. J'ai rien senti. Quelle bonne chose, mes frères. À présent, je reviens pour prier avec vous. Père, je veux aussi voir cette personne comblée de bénédictions. Je veux voir cette personne, oh Dieu, pleine de ta grâce. J'unis ma foi avec la foi de cette personne et je dis, mal, sors d'elle, va-t'en de là, ne reviens plus, au nom de Jésus. Et vous dites, je crois.